Yo tout le monde, c'est Sko, et let's go pour la suite du Let's Play sur Ark. Alors, vous devez vous souvenir de cet endroit-là, n'est-ce pas? C'est celui qui est à côté de la piscine des pingouins. Vous vous rappelez pas? Ben, vous devriez. C'est un endroit incroyable où on peut récolter du polymère. Polymère que j'ai assez farm, je pense. J'ai trouvé une technique assez opti pour farm les pingouins, sans qu'ils puissent se barrer. C'est en gros, j'en récupère un comme ça. Et je le ramène jusqu'à un bord où il n'y a pas de loup. Parce que les loups, les Tyrannus, toutes ces merdes, ça. C'est trop chiant. Donc je le ramène jusqu'à un bord où il n'y a rien. Et ensuite, bah, je le défonce. Surtout, c'est très bâtard de dire comme ça, mais il faut absolument défoncer les bébés et ceux qui sont pas encore adultes. Parce qu'ils rapportent plus de ressources, j'ai l'impression. Ça me mange, j'en ai tué un, il m'a donné 50. Donc je suis parti du principe qu'il me donnait tous 50. Puis j'ai tué un bébé. Et il me donnait pas vachement plus quoi. Du coup, c'était assez intéressant. On ira se reposer sur le pylône là-bas, face de nous. Il y a un parasitarium sur un pylône, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Oula. J'espère qu'on va pas tomber de fatigue avant. Un peu chier de tomber là-dedans. Non, ça va aller. On va en profiter pour récolter un peu de métal. Aïe, allons-y. Ah bah on était juste là, regardez. Juste à côté de chez nous, je crois. Non? Si, c'est là chez nous, non? Oh mon Dieu. Incroyable, j'arrive à reconnaître même l'endroit. Alors, polymère. J'en ai combien? C'est la question qu'on se pose tous. 200, 300, 400, 500. On a de quoi faire un barrette. Et peut-être même un space 12 en plus. Arme. Rifle. Barrette, il faut quoi? Du métal et du cristal? Je m'en fous, je le trouve, le métal et le cristal. Le métal, c'est bon, le cristal, je vais chercher ça tout de suite. Pouf, pouf, pouf. Par contre, putain, la nouvelle forge, elle me simplifie tellement la vie, c'est fou. Non, rifle. Voilà. Non, attendez, c'est ça. Non. Six barrettes. Et on avait dit quoi, le space 12? Du ciment. Le ciment, c'est là-dedans. Arme, rifle, space 12. Allez, on va chercher encore un peu plus de ciment. Allez, tout le polymère qui me reste, quoi.
clairement de quoi faire ça. Espace 12, du coup, c'est bon. Alors, ça. Armure de plongée. Lingot de métal. Et peau. La peau, c'est bon. Et les lingots de métal. C'est bon. Armure de plongée. Voilà. Alors, on va pouvoir essayer ces deux petites armes. Magnifiques, hein, d'ailleurs. Alors, il est où le écotech attachement? Il est où? Il est là. Alors, attendez. Ouf. Oh, c'est classe. Fort, je sais pas, mais classe en tout cas, ouais. Et du coup, on va pouvoir tester la différence entre ceci et ceci. Alors, ça, c'est un bon gros sniper. Et ça, c'est LE bon gros sniper. Oh, attendez. Alors, ça m'a l'air particulièrement violent, hein, toutes ces armes. On va stocker tout ça là. Alors, et maintenant, on peut faire munitions tranquillisantes. Tranquillisantes. Ah oui, mais là, il faut de la biotoxine. Fourrure, poil ou laine. Oh non. Oh, c'est trop chiant à aller récupérer ça. Vraiment? Vraiment. Ça me fait mal au cœur de laisser toute cette polymère inutilisée. Je crois que j'ai même pas trop faire une armure en vrai. Oh la vache. Mais regardez-moi le prix de ces items. Armure 1000. Ok, ça donne 1000 d'armure. 1000. 1000. 1000. Ça donne 1000 et ça donne 115. C'est quoi? C'est quoi cette armure, putain? Ça donne 4000 au total. Attendez. Gants, chapeau, ça et ça. 5000! Oh mais putain, mais c'est trop vénère. J'ai pas compris que c'était comme ça, moi. Ouais. Bah du coup je peux pas vraiment faire. J'avais un peu prévu d'aller explorer les fonds marins moi en fait, de base. Et du coup là ça change un peu mes plans. Alors, munitions. Normal. Alors attendez, ça prend quoi? Super shotgun bullet. Ammo boulette, ammo shell et poudre à canon. 25 de poudre à canon. 12 ammo boulette. Attendez, quoi? Ah mais j'espère que ça en fera plusieurs d'un coup parce que putain de merde. Le prix. Mais je crois que ça va tourner H24 juste pour me produire du charbon. Hein. Là faut arrêter de déconner parce que. Munitions. Normal. 25 de poudre à canon.
Ah merde, ah mais non, c'est même pas ça. Ah mais oui, c'est vrai. Ah non, la poudre à câlin, c'est ça, et de la poudre étincelle. Mais le prix de ces trucs, c'est fou. Je passe ma vie à faire des crafts. Oh, j'avais pas vu, j'en ai là. Quel con. Bon, j'espère vraiment que ça en craft plusieurs d'un coup, parce que là. Si ça, c'est pour une munition, mais. On est encore dans un an, quoi. Ça va avec deux. Ça en fabrique vraiment deux. Et ben on va essayer de faire genre ça, on va faire 120. On va faire 10, ça fait que j'en aurai 20. Mais quelle blague, ça coûte trop cher. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Attendez. Là, j'ai peut-être du poudre à canon, ouais. J'ai pas de charbon nulle part. Et ça me détruit tellement tous mes plans. Voilà, on va prendre ça. On va avoir besoin d'encore plus de métal. Clairement. Non, c'est pas là. Si, c'est là. J'ai un petit truc de prévu là. J'ai une petite idée d'un truc à faire qui pourrait être fun. Alors. Objet. On va en faire, on a dit. Attendez, là j'ai qu'à en faire 4. Vraiment. Et bah, 4 fois 12, 24, 48. Et ça, 8. Je sais ce qu'on va faire après. On va aller. Attends, juste munitions normales. 4. J'embête d'espier tout ça pour 10 pauvres munitions. Qui vont me servir à rien. Alors, juste attendez. Vous voyez, là j'ai une armure. Après, une armure pas dégueu. Ça serait avec quoi? Vous allez comprendre. Armure de métal. Fibre, peau et métal. Donc on va prendre tous nos fibres. Ok, tous. Tout notre métal. J'ai dit tout notre métal. On va mettre dans cette upgrade station. Là, vous avez compris. Je pense qu'il y en a assez. Là, il y en a encore 100. Et là, il y en a plein. Hop. Mon Dieu. Alors. Et on va tout upgrade en mythique. En tout cas, le plus possible. Même plus les attempts upgrade, certes. Il faut plus de lingots de métal. Je manque de lingots de métal.
Vraiment. Alors ça, croyez-moi, c'est pas un problème. Hein. On va être en 2-2 là, au métal. Allez, pouf, 47 ici. Allez, pouf. La masse ici aussi. Ouais, on va réussir à faire notre truc. J'espère. Vous allez comprendre. Temp upgrade. Temp upgrade. Ah, temp upgrade. Et là, ils sont à 1000 d'armure. Ils sont tous en mythique. Et là, croyez-moi. Voilà. Ça n'a pas l'air. Mais là, croyez-moi, on va en défoncer des gens. Oh oui. Ah, il faut du bois. Oh, c'est con. Est-ce que j'ai du bois quelque part? J'en prends beaucoup parce que les upgrades coûtent cher quand même. Ça a pas l'air, mais le prix grimpe vite, on va dire. Faut aussi que j'en crafte un bouclier, tiens. Je vais voir là-haut pour un bouclier anti-émeute. Non, c'est là. Arme. Non, armure. Bouclier. Faut encore plus de polymère, encore plus de métal, encore plus de cristal. Je vais pas regarder les valeurs exactes en fait. Armure, bouclier. 50 de métal et 40 de métal. 50 cristal, 40 de métal. Tout ça c'est bon. Et 50. Vous allez voir, on y va. Bon, je crafte tout ça, on se retrouvera à un autre endroit. À tout de suite. Ok, alors, re tout le monde. Sesco. Comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai plus de vie. Et tout, et tout, et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de retrouver mon Ptera et je vous explique tout ça. Alors, en gros. Je vais essayer de trouver l'endroit pour vous montrer. Et prier pour ne pas mourir. Oh non. Vous allez pas tarder à comprendre mon problème. Voilà, c'est ça mon problème. Mais cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Moi je vais mourir. Ok, mon baril bleu le terrain. J'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus. Ok, alors. Où est mon terrain? That's the question, putain de merde. Va falloir passer là. Et il va aussi falloir passer là. Il faut que je le retrouve, attendez.
Ah! Casse-toi! Oh là là, quelle galère! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous pouvez pas comprendre, vous avez pas vu la zone à quel point elle est vicieuse. Vous avez clairement pas vu à quel point c'est vicieux. Non. Non mais casse-toi s'il te plaît. Allez, on court, on court, on court. C'est quoi qui m'a attaqué? Non mais casse-toi. Oh la vache, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh oui, t'es là! Oh mon Estia! Alors toi mec, t'es mort. Alors, dis-moi que t'as du bois, je t'en supplie. J'ai pas de bois. Si, j'ai du bois. On va en faire deux. Vous pouvez pas comprendre, vraiment. Je vais vous montrer à quel point c'est vicieux cette merde. Alors regardez. Regardez ça. Je savais pas si la grotte c'était là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis avancé. Avec quoi? Avec mon Ptera. Ça. Dites-moi que ça se mange, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh oui. Bon, en gros, je me suis avancé là avec mon Ptera. Et comme il y a l'auto-dismount dans les grottes qui est activé, je suis tombé. Je suis tombé avec 40 milliards de créatures, j'ai survécu uniquement grâce à cette armure de bâtard. Vraiment. Cette armure, elle m'aura sauvé la vie. Hein. On va éteindre ça. On va éteindre ça. Et ça, on va laisser ça ici. Maintenant, on rentre. Plus jamais je vais dans cette grotte. Hein. Plus jamais. Je voulais pas record, mais franchement. Quand même, vous avez pas raté grand-chose. Hein. Juste moi en train de me faire défoncer par tous les dinosaures du monde. Et d'ailleurs, j'ai une bonne anecdote. Vous savez pourquoi est-ce que les dinosaures ils étaient chargés? Alors en gros, petit truc pour ceux qui savent pas, quand vous arrivez dans une grotte pour la première fois, il n'y a pas de dinosaures. Parce que la grotte n'est pas encore chargée. Du coup, vous pouvez faire un speedrun de la grotte et repartir vite avant que le dinosaure pop. Parce que là, il y avait le dinosaure de pop. Pourquoi?
Parce que dans l'épisode 2, j'ai déjà vu cette grotte. Je suis rentré dedans et je suis ressorti direct, avec le bateau. Rappelez-vous. Ce petit truc, cette petite merde, ça a failli me tuer. Vous vous en rendez compte? C'est un miracle que je suis encore en vie. Alors on va se stuff vachement mieux avant d'aller faire un tour dans les grottes. Parce que le difficulty plus 30, plus 6 plus plus, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Allez, on habite juste là-bas, on peut y aller. Attendez, est-ce que ce serait pas... Ça m'a tout avec une autre grotte, ça. Oh, je sais que je devrais sûrement pas, mais... J'ai étrangement envie de plonger dedans. Il nous faut un dinosaure d'eau vachement violent. Genre un sarco. Oh, ce serait trop bien un sarco, attendez. Maintenant que j'y pense. Ouais, j'ai pas mal de strats là qui me viennent en tête. Je pense que ouais, c'est ça qu'on va tenter. Bon, on a réussi à revenir avec notre Uptera, ce qui est juste un miracle. J'ai plus de vie, rien. Je vais réparer mon armure. Oh non, c'est une blague. Alors, il faut quoi? Fibre, peau et métal. De fibres non plus. Ah mais attendez, si. Donc j'en ai combien? 200, c'est parfait. Ce qui manque là, du métal, ben voilà. Ah le métal là, ça va commencer à coûter... coûter bien bien cher, hein. Attendez, j'ai vraiment plus de métal là? Vraiment? Non. C'est à ce point-là? Non. Sans deck? J'ai plus de métal? Ah mais d'ailleurs, j'avais pas compris que j'étais autant dans la merde que ça. Et bah rip, hein. Alors on va faire récupérer, récupérer, récupérer. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Pouf. Allumé. On va manger tout ça. Et on va aller fermer un peu de métal. Allez, on récupère un peu de métal et on se tapera l'épisode ici. Et la prochaine fois, timing d'un sarco et de bestioles bien vénères. Attends, il faudra aussi que je check si j'ai pas du métal dans mon estio.
Là, il n'a pas apparemment. Ouais, juste maintenant, on va full max le poids. Allez, on récupère ça, on récupère ça. Ça, 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 ça. J'ai combien de marge encore? 1000 de poids. Non, j'ai encore quoi casser deux cailloux quoi. Ah ouais, non, il est quand même vachement alourdi, quoi. On a quand même pas mal de métal. Hein. Et du coup, next time, comme j'ai dit, taming du sarco. Et je sais pas encore quoi. Peut-être craft d'une selle de sarco complètement abusée. On va voir. Au moins, je suis content parce qu'on aura survécu à la grotte. Attends, mais comment ça tu me suivais toi? Hop. On va faire un bon petit paquet là. Là, on va récupérer un max de viande cuite. Ouf. Et je vais quitter, je pense, sur cette petite scène. Là, juste attendez, j'ai 2, 3 tonnes de viande à mettre là. Voilà. Et sur ce, du coup, on va se dire bye bye. J'espère que la petite aventure que vous n'aurez pas vécue vous aura tout de même un minimum plu. Et sur ce, bye bye!